Olivier se prépare à péter. Se lance. Et c'est pas mal. Olivier râle un peu quand même. On met sa cigarette en bouche. Il espère faire le pas sur son dernier coup de patte. Autour de Corentin de se lancer. Analyse la distance jusqu'au trou. Et c'est raté. Et c'est dedans. Olivier fait le par sur le premier trou pour la première fois de sa vie. Quentin se prépare. Rate-t-il le par? Et c'est... Sur son bogey sur le par 3 qu'on vient de passer, se prépare à jouer sur un autre par 3. Il n'a pas l'air très content de son coup. Se préparerait-il encore pour un bogey? Nous verrons bien. Olivier se prépare maintenant à tirer. Se mettre au départ. Et il a l'air satisfait. Comme prévu, Quentin est un peu plus loin que ce qu'il pensait. Nous voyons ici dans le rough, tout à gauche, du fairway, un arbre en chemin et le drapeau là. Comme la balle est en France, il y aura du monde là. Avec une balle un peu enfoncée, tout va bien. Sur un sol, il respire la confiance.
Oh, joli! Superbe! Et la balle finit sur le green! Non, dans le rough. Dans le rough, juste à... Retour vers Olivier, qui tire du rough vers le green que vous voyez là-bas. Approche un tout petit peu courte. Ce qui va rendre le putt peut-être un petit peu à... Commençons maintenant au troisième trou de Corentin. Il se prépare. Pas du tout. Une belle approche. Prépare son pote. Notre équipe de caméraman se rapproche du green pour mieux voir, pour vous offrir une meilleure vue de l'action. Il semblerait qu'Olivier soit prêt à tirer. Excellence. Ça risque d'être un petit peu court, en effet, c'est trop court. Ça finira probablement en bogey. Quentin se prépare maintenant à tirer pour un bogey. Le tour vous amène plus près de l'action. Et c'est à côté. Les par trois sont cruels aujourd'hui pour Corentin. Olivier se prépare. C'est dedans. Ah, ça va être bien ça. Ah.
Ça va. Sur le 50. Sur le 50? Ouais. Là, sur le 100? Sur le 100. Ouais, un peu, ouais. Un peu à droite du 100. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Ralentis. Ralentis ta descente. T'accélères trop vite. T'accélères à la descente. Non. Bien. Pas la même trajectoire de balle quand il a frappé. Non, c'est du lâche. Mets le coude un peu plus droit, un peu plus près du corps. Attention, là, tu vises quoi là? Vises quoi? Dis-moi ce que tu vises déjà. Je vais essayer de viser 100 mètres. 100 mètres encore, encore, encore. Un petit peu moins. Voilà, c'est bon. Oui, c'est parce que tu vas trop vite. Et donc, comme tu as du retard, comme tu pousses trop, tu descends trop vite si tu veux, alors tu pousses à gauche. Démarre, mets ton coude plus près du corps et laisse débarrer tes hanches. Voilà, là tu as de... Ça c'est bon. Non, trop vite encore. Tu swings trop avec les bras. Non, trop avec les bras. Oui. Oui, c'est parce que tu as essayé, mais ça c'est rien. Je recommence. Trop vite encore. Laisse démarrer tes. Laisse tes... Tu dois avoir l'impression que tes bras restent en l'air quand ton corps démarre du jour. Et quand tu es en haut, tu desserres l'étreinte de tes poignets. Okay. Tu dois avoir l'impression quand tu es en haut, hop, que tes poignets sont pratiquement tout mous. Voilà, ça c'est bon. Ouais. C'est pas la même sensation non plus. Et là, le rythme était bon. Vas-y.
Encore trop vite, encore trop avec les bras. Bien. Ok, trois choses. Tu montes avec le coude plus près du corps. Une fois que tu es en haut, tu relâches tes poignets, tu démarres avec les hanches. Dans l'ordre. Tu ne penses qu'à ça. Bingo. Ouais, c'est pas grave. Ça. Attends, mais... Si pour le moment on fait de la trajectoire. Encore une fois, trop avec les bras. Monter complètement à l'intérieur. Ouais. Ouais. Donc finalement quand tu redescends, ben... ça coupe quand même. Ok, maintenant concentre-toi, mets la balle un petit peu plus sur ton pied droit. Voilà. Oui, c'est normal si tu viens un peu plus sur le pied droit. Maintenant, refais encore. Toujours un peu plus sur le pied droit. Une fois trop avec les bras. Parfait, ça. Ça c'est parfait. Waouh. Ça, c'est un très bon rythme, le dernier.
Oui. Belle trajectoire. Très belle trajectoire. Trop vite. En fait, ton problème, c'est un problème de rythme. Hein. Ouais. Faut que tu essayes de compter 1, 2, 3. Faut que tu trouves le 1, 2, 1, 2. Un truc comme ça. Ça, en fait, taper sur la balle, ça doit être une joue, ça. 1, 2, 3. Dommage qu'elle soit prise de la pointe. Qu'elle soit pas? Elle était prise un peu de la pointe, cette balle. Ouais, c'est bon, ça. Vite. Là, le dernier rythme n'était pas bon. Ok. You're welcome.